Bon, ben, la voilà, la fameuse sacro-saint. OK? Il y a trois particularités sur la carabine. Premièrement, vous avez ici les outils. OK? Pourquoi les outils? Ben, c'est pour si tu veux faire ton ajustement de gâchette, tu as simplement un trou ici, tu vas venir ajuster, tu tournes, tu as 6 ajustements de la gâchette pour qu'elle soit facile, soit très tendre ou plus dure, tout dépendant comment est-ce que vous aimez ça. Ensuite, ça c'est le plus haut, ça va être l'arme la plus sécuritaire de l'industrie. Donc là, elle est prête à chasser, à tirer. En pesant ici, le cran de sécurité, il fait ça. En faisant ça, ça désarme complètement l'arme. Elle est inopérante. Vraiment inopérante. Il n'y a plus de danger avec. Donc, si tu as une balle dans la chambre, tu as voyagé, tu as fait n'importe quoi, tu chasses, tu vas être plus que sécuritaire. Ça va être parfait. Puis, l'autre affaire, qui, là, ben, tu fais que la réarmer puis tu es parti pour chasser. Puis, l'autre affaire, ben, c'est l'ajustement pour la joue, qui est très simple. Que, tout de suite, avec l'intérieur, comment est-ce qu'il est fait, ben, il va venir s'ajuster directement sur votre joue. Mon caméraman, il me garde en bas, mais je vais vous montrer. Mais c'est sûr que, en plus, le cosmétique peut changer facilement. On peut changer le canon. C'est une arme de prestige, qu'on va dire. Sacco a voulu aller chercher le maximum dans sa sang pour pouvoir donner le maximum de plaisir et d'efficacité aux chasseurs. Donc, ça va être celle-là. Puis là, elle s'en vient. On va l'avoir en 2023. Je continue, il y a plein d'affaires trippantes. Je vous reviens d'autres choses.